Nous nous préparons, debout, les yeux fermés, le corps relâché, les genoux légèrement déverrouillés. Et nous prenons conscience dans un premier temps de l'ancrage de nos pieds au sol, de notre enracinement. Nous prenons conscience également de notre équilibre, de l'équilibre de notre corps, de l'équilibre de notre tête au sommet du corps et de la présence de notre respiration, douce et tranquille. Nous commençons par détendre, par relâcher notre tête, notre visage, en laissant disparaître les tensions progressivement à notre rythme. Nous relâchons notre cou, notre nuque, nos trapèzes et nos épaules. Nous détendons nos bras, nos membres supérieurs jusqu'au bout des doigts. Nous relâchons notre dos, tout notre dos, notre poitrine également, notre ventre, notre abdomen, la région lombaire, notre bassin. Tout notre tronc se relâche de plus en plus profondément et nous laissons disparaître dans les membres inférieurs toutes les tensions inutiles au maintien de la posture debout. Nous allons maintenant porter toute notre attention, nous concentrer sur notre premier système qui comprend toutes les structures anatomiques et physiologiques de la tête et du visage. Nous nous concentrons sur notre premier système avec un point d'interaction situé au niveau du lobe frontal et nous éprouvons la forme de notre premier système sans tension. Conscience de notre premier système, conscience de la vie qui se manifeste dans notre premier système. Nous allons maintenant porter toute notre attention, nous concentrer sur notre deuxième système qui comprend toutes les structures anatomiques et physiologiques du cou, de la nuque, des trapèzes, des épaules et de la partie supérieure externe, des membres supérieurs jusqu'au dos de la main. Nous nous concentrons sur notre deuxième système avec un point d'interaction situé au niveau du cou, vers la thyroïde qui intervient dans le métabolisme de nos cellules. Et nous éprouvons la forme de notre deuxième système sans tension. Conscience de notre deuxième système. Conscience de la vie qui se manifeste dans notre deuxième système. Nous allons maintenant porter toute notre attention, nous concentrer sur notre troisième système, qui comprend toutes les structures anatomiques et physiologiques de la poitrine. La présence du cœur, des poumons et du thymus, de la région dorsale. Nous nous concentrons sur notre troisième système avec un point d'interaction situé au niveau du sternum. La zone thymique qui intervient dans la régulation de nos défenses immunitaires. Et nous éprouvons la forme de notre troisième système sans tension. Conscience de notre troisième système. Conscience de la vie qui se manifeste dans notre troisième système. Nous allons maintenant porter toute notre attention, nous concentrer sur notre quatrième système qui comprend toutes les structures anatomiques et physiologiques de l'abdomen au-dessus du nombril. La présence du foie, du pancréas, de l'estomac, du système digestif, du plexus solaire, de la région lombaire avec la présence des reins. Nous nous concentrons sur notre quatrième système avec un point d'interaction situé à 2 ou 3 travers de doigts au-dessus du nombril, au niveau du plexus solaire qui intervient dans la régulation de notre système neurovégétatif. Et nous éprouvons la forme de notre quatrième système sans tension. Conscience de notre quatrième système. Conscience de la vie qui se manifeste dans notre quatrième système. Nous allons maintenant porter toute notre attention, nous concentrer sur notre cinquième système, qui comprend toutes les structures anatomiques et physiologiques du bas-ventre. Présence des organes génitaux porteurs de notre code génétique, du bassin et des membres inférieurs.
présence des deux fémurs dont est issue la moelle qui permet de régénérer les cellules de notre sang. Nous nous concentrons sur notre cinquième système avec un point d'interaction situé à deux ou trois travers de doigts au-dessous du nombril. Et nous éprouvons la forme de notre cinquième système sans tension. Conscience de notre cinquième système, conscience de la vie qui se manifeste dans notre cinquième système. Nous allons maintenant réunir nos cinq systèmes et nous éprouvons la forme de tout notre corps dans la posture debout. Conscience de la présence de notre corps en respiration. Et pour mieux vivre la présence de notre corporalité dans la conscience, nous allons effectuer trois stimulations corporelles. Nous inspirons une première fois, rétention, tension douce de tout notre corps, expire, relâchement. Une deuxième fois, rétention, tension douce de tout notre corps, expire, relâchement. Et une troisième fois, rétention, tension douce de tout notre corps, expire, récupération. Relax. Nous contactons le siège situé derrière nous pour nous asseoir confortablement en posture. Relax. Nous relâchons profondément la tête, le visage, les épaules, les bras, les épaules profondément relâchées, pose d'intégration, nous accueillons la présence du corps. Quelques instants de sophro-déplacement du négatif au rythme de notre respiration sur chacun des systèmes. Et pour cela, nous plaçons nos deux mains, les doigts croisés en face de notre premier système. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque expire, nous déplaçons les tensions de notre premier système. Puis nous déplaçons nos deux mains en face de notre deuxième système. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque expire, nous déplaçons les tensions de notre deuxième système. Puis nous déplaçons nos deux mains en face de notre troisième système. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque expire, nous déplaçons les tensions de notre troisième système. Puis nous déplaçons nos deux mains en face de notre quatrième système et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque expire, nous déplaçons les tensions de notre quatrième système. Puis nous déplaçons nos deux mains en face de notre cinquième système et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque expire, nous déplaçons les tensions de notre cinquième système. Nous reposons nos mains sur nos cuisses et librement quelques instants de sophro-déplacement du négatif sur notre corporalité tout entière. Nous allons maintenant effectuer une sophrostimulation vitale sur les organes de nos cinq systèmes pour éprouver la vie organique qui se manifeste par la chaleur de nos organes. Un organe chaud est un organe vivant. Nous portons notre attention, toute notre attention. Nous nous concentrons sur notre premier système avec la présence de notre cerveau.
Nous pouvons nous aider de nos mains pour contacter le point d'interaction, le lobe frontal, pendant quelques instants. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque inspire, nous prenons conscience de la présence d'une douce chaleur dont nous pouvons nous remplir au rythme de notre respiration. À chaque expire, nous la diffusons éventuellement à l'ensemble des organes de notre premier système. Nous éprouvons la présence de la vie dans notre premier système. Nous portons notre attention, toute notre attention. Nous nous concentrons sur notre deuxième système avec la présence de notre thyroïde. Nous pouvons nous aider de nos mains pour contacter le point d'interaction en plaçant nos deux pouces sur la thyroïde. Nos mains entourant notre cou et la nuque pendant quelques instants. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque inspire, je me remplis d'une douce chaleur, de la présence de la vie dans les organes de mon deuxième système. Et à chaque expire, je diffuse la vie à l'ensemble de mon deuxième système. Nous portons notre attention, toute notre attention. Nous nous concentrons sur notre troisième système avec la présence de notre cœur, de nos poumons, du thymus. Nous pouvons nous aider de nos mains pour contacter le point d'interaction en plaçant nos deux mains sur le sternum pendant quelques instants. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque inspire, je me remplis d'une douce chaleur, de la présence de la vie dans les organes de mon troisième système. Et à chaque expire, je diffuse la vie à l'ensemble de mon troisième système. Nous portons notre attention, toute notre attention. Nous nous concentrons sur notre quatrième système avec la présence de notre estomac, de notre foie, de notre pancréas, du système digestif, de nos reins. Nous pouvons nous aider de nos mains pour contacter le point d'interaction en plaçant nos deux mains sur notre abdomen au-dessus du nombril pendant quelques instants. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque inspire, je me remplis d'une douce chaleur, de la présence de la vie dans les organes de mon quatrième système. Et à chaque expire, je diffuse la vie à l'ensemble de mon quatrième système. Nous portons notre attention, toute notre attention, nous nous concentrons sur notre cinquième système avec la présence de nos organes génitaux et de nos deux fémurs. Nous pouvons nous aider de nos mains pour contacter le point d'interaction en plaçant nos deux mains sur notre bas-ventre, au-dessous du nombril pendant quelques instants. Et avec une respiration légèrement amplifiée, à chaque inspire, je me remplis d'une douce chaleur, de la présence de la vie dans les organes de mon cinquième système. Et à chaque expire, je diffuse la vie à l'ensemble de mon cinquième système. Je continue librement quelques instants sur l'ensemble des cinq systèmes réunis, sur toute ma corporalité. Nous pouvons maintenant retrouver une situation positive, un souvenir plaisant, en revivant toutes les situations, les sentiments très agréables que ce souvenir évoque en nous. L'affection pour un être qui nous est cher, un sentiment de joie, des sensations de calme, de force, de dynamisme. Nous acceptons tout ce qui nous vient spontanément de très positif. On peut même imaginer que chaque inspiration renforce à l'intérieur de nous-mêmes tout ce positif, qu'on intériorise encore davantage avec la respiration. Au rythme de notre respiration, ce sentiment, cette pensée, ces sensations bénéfiques continuent à se répandre en nous-mêmes complètement, très agréablement. Je me sens bien dans ma peau, bien-être. En
Remplis de cette sensation de bien-être et d'harmonie, nous allons tranquillement nous retrouver bien en contact et en pleine forme avec la réalité extérieure.